Il s'apprête à sauter sans parachute de 7500 mètres. Luke Aikins va tenter d'atterrir dans une énorme toile de 30 mètres par 30 mètres. Et autant vous dire qu'il a pas le droit à l'erreur. S'il rate la toile, c'est fini pour lui et il le sait. Il va devoir faire preuve de concentration, de courage et de précision. Donc, il va s'entraîner avec un parachute évidemment. Je pense pas qu'on arrive à se rendre compte de la précision que ça demande. Pendant ces 7500 mètres de chute libre, tout peut arriver. Et son pire ennemi, ce sera le vent. Et c'est là tout l'objectif de ses entraînements. Apprendre à contrer le vent pendant toute la descente. Le tout à presque 200 km/h de chute libre. Passons au jour J. Il perd pas plus de temps et il saute. Il répète à la perfection tous les mouvements qu'il a appris pour contrer le vent. Il saute avec d'autres parachutistes qui eux vont vite ouvrir leur parachute, laissant Luke seul. Et c'est avec une vitesse de 200 km/h qu'il atterrit sur cette toile sans encombre. Si t'aimes les sports extrêmes, abonne-toi.